juste après ça, on arrive à gratter quelques pourcentages. Mais ce Mugushu n'aura pas été clutch et encore une fois, l'ultime a été envoyé des bombes. Avec ça, son éclosion mortelle a fait la différence. Logix qui envoie la scène, mais qui a été groupé par le Reinhardt et par le Lucio également. Shax et Edison, la superbe grenade encore une fois de l'Astro qui nous régale sur la frontline. Poco FRD qui du coup va être impossible à remonter en PV. On a perdu Dogman également. Très très belle grenade. Combat impulsion de la part de Shax, oh là, et ça continue là, là. Les Valiant qui accélèrent, les Valiant qui sont insaisissables, les Valiant qui vont récupérer le point et très certainement l'emporter, la première remontada. Et le flux cinétique là, qui est lancé, qui ne touchera pas grand monde. Hein. Oh, le champ d'immortalité, il est parfait, mais on va quand même forcer avec ce flux gravitationnel EQO. On n'en avait pas parlé, mais... il est là, EQO, et pour ceux qui ne le savent pas, alors il joue quasiment pas avec l'équipe des Philly Fusion, en tout cas en Overwatch League, mais il ponce le ladder. Il est, je crois, aux alentours des 4700 de SR. Washington Justice, il y a une Symmetra, donc on prend le Doomfist, hein, c'est un peu le contre-naturel. Heureusement, on a mis le TP, le bon wall derrière, l'engage à la coalescence, mais Enbob qui se fait littéralement détruire. Et avec l'ulti-support de Crimzo, ça suffit quadra kill pour le main support des Dallas Fuel et le petit T-Bag. Et puis il joue pas si agressif que ça, hein. Il a forcé les habilités, lui il a toujours les siennes, il va pouvoir son bim. Rokus qui récupère un doublé alors que tout le monde était si low du côté de SF. On utilise Bob qui est sur le point, Striker qui continue de tuer à l'aide de son Bob. 3 kills pour Bob, décidément les Bob sont vraiment très forts dans cette game. Un cap pour le Bob de Striker tout à l'heure. Des kills, il arrête plus. Striker qui est toujours en vie, ils vont gagner ce fight, c'est incroyable alors qu'ils étaient moins 2. Rokus qui avait récupéré 2 kills et ça continue, Striker et son Bob.